Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft après un petit moment d'absence. Je l'avoue, j'ai été absent un petit peu. Donc j'ai été absent ici la dernière semaine hein, parce que j'étais pas ici en Belgique. Hein. J'étais en voyage en Grèce avec mon école, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu tourner la vidéo mercredi comme je fais habituellement. Là aujourd'hui on va être du coup samedi, vous allez regarder la vidéo du samedi. Et donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour un très beau tuto les amis, un tuto d'un énorme, ou plutôt d'une énorme, une énorme villa. Donc vous pouvez remarquer, elle est vraiment super grande, elle est vraiment super sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors on va faire un petit tour hein, du bâtiment lui-même pour vraiment voir ce que ça donne. Donc ici on est sur le devant, hein, avec une belle, je sais pas comment on peut appeler ça, on a vraiment quelque chose qui revient ici comme ça par le devant, et ça fait un énorme balcon pour le dessus. Ça je trouvais ça vraiment sympa. Ensuite on va voir ici sur la droite ce que ça nous donne, ici on a juste, sur la gauche pardon. Ici on a juste le côté hein, tout simplement, là il n'y a vraiment pas beaucoup de complications à faire. Et ici par derrière c'est tout simple également, on a juste une petite fontaine qui coule au milieu. Je trouvais ça assez sympa, donc voilà. Donc voilà, là c'est vraiment quelque chose de vraiment super le tuto les amis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas dites moi dans les commentaires votre avis sur cette construction. J'aimerais bien avoir votre avis, on va commencer directement avec les différents matériaux à prendre. Donc d'abord vous allez prendre comme matériau le grès taillé. Vous allez prendre également l'escalier en grès. L'escalier en grès lisse, l'escalier en grès donc normal, l'escalier en diorite poli, le grès coupé, les feuilles tropicales, les vitres teintées en noir et les barrières en sapin. Une fois que vous avez tous ces matériaux là, vous allez commencer tout d'abord en prenant le grès coupé. On va se placer, je vais me placer sur la droite là-bas et on va faire ça tout de suite. Hein. Donc hop, voilà, je vais me mettre ici et on va tout simplement mettre un grès coupé au sol, comme ça, d'accord. On va monter encore de 9 blocs en hauteur, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, attendez. On va recommencer depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Donc on a placé le premier et puis on en a mis 9. Ce qui fait au total 10 blocs en hauteur, d'accord. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs, d'accord. On met 10 blocs en grès coupé en hauteur, d'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre maintenant, j'ai oublié de le prendre d'ailleurs ce bloc là, ici vous allez prendre le bloc de grès lisse, d'accord. Vous prenez le bloc de grès lisse, vous venez ici, vous allez rajouter tout simplement ici 34 blocs, d'accord. On rajoute 34 blocs, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 blocs, d'accord. Une fois que vous avez rajouté vos 34 blocs, on va venir maintenant sur le côté, d'accord. Vous allez venir ici, là vous allez pouvoir ajouter 15 blocs, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. D'accord. Donc on a ça pour le moment. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement prendre le grès coupé. On va venir là-bas à l'extrémité. On va remplacer celui-ci par un comme ça. Et là pareil, on remplace celui-ci par un comme ça. D'accord. Maintenant tout simplement, vous allez reprendre le grès lisse. On va tout simplement venir d'ici. On va aller jusque de l'autre côté et on va s'arrêter en fait à la même hauteur que celui qui est juste là-bas, donc le mur qui est juste devant. Donc hop, on s'arrête ici à la même hauteur et on met un grès coupé comme ça. Puis ici, là tout simplement, on va relier les deux murs en un seul, on va en rajouter un mur en fait, d'accord. Donc voilà, là on a tout simplement la base de l'édifice, donc on a la base de la construction. Maintenant il suffit juste de monter tout ça en hauteur. Donc déjà je vais monter tout ça encore à la même hauteur. Donc on rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, il s'est pas mis. Voilà, d'accord. Vous pouvez remarquer qu'on est à la même hauteur. Et là pareil, donc encore 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pareil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et hop, 9, voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, je sais bien que ça va être quelque chose d'assez chiant pour vous, mais on est obligé de passer par là pour faire ce tutoriel. Tout simplement, vous allez reprendre les grès lisses, d'accord. Et vous allez tout simplement combler tous les murs, d'accord. Parce qu'en fait, après on va faire les fenêtres, mais tout d'abord il vous faudra
combler chaque mur avec le grélis, d'accord. Donc vous comblez tous les murs vraiment jusqu'à la hauteur qu'on a mise, hein. Donc la hauteur qu'on a mise, c'est la hauteur du dernier bloc ici, d'accord. Et vous allez faire ça vraiment pour les 4 murs. Donc celui-ci, vous le comblez à fond. Et vous faites pareil pour celui-là, vous faites pareil pour celui-ci et celui là-bas, d'accord. À la hauteur maximale, donc ici. Et on va se retrouver tout de suite une fois que vous aurez terminé de faire ça, les amis, d'accord. Alors voilà, les amis, vous pouvez remarquer, j'ai terminé de combler chaque mur qu'on avait placé auparavant. Donc tous les murs sont comblés jusqu'à la hauteur que je vous avais dit, d'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer aux vitres, donc aux fenêtres de la construction. Le petit, c'est quand même assez grand, c'est ce petit truc ici, cette construction ici qui est vers l'avant, on la fera ensuite. On va d'abord faire les fenêtres pour vraiment que ça soit fait, parce que c'est vraiment une des étapes les plus chiantes, je vais dire, à faire. Mais comme ça, on va faire ça tout de suite, d'accord. Alors vous venez d'abord ici sur la gauche, enfin sur la gauche de cette face-ci, donc la face qui est là, d'accord. Vous venez ici sur la gauche, vous venez en bas. Vous allez tout simplement commencer en faisant ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, d'accord. Une fois que c'est fait, vous laissez ici 3 blocs d'écart. Donc je vais mettre des repères en faisant ça comme ça, d'accord. Vous laissez 3 blocs, vous faites 1, 2, 3, d'accord. Puis là, on refait le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord. Tout simplement. Puis normalement, voilà, ici on doit laisser tout simplement, alors je vais regarder, mais normalement c'est ça, oui, c'est bien ça, on doit encore laisser 3. Donc ici vous laissez 1, 2, 3, là on recommence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, comme ça, d'accord. Voilà, d'accord, donc ça, ici à gauche, on a déjà fait, on va passer maintenant à droite, hop, on vient ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on laisse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. Donc nous obtenons ceci. Et une fois que c'est fait, vous venez ici, vous allez faire tout simplement 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3, comme ça, d'accord. Tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant refaire pareil, mais au-dessus. Donc là, au-dessus, on va laisser tout simplement ici, alors que je ne me trompe pas, j'ai pas envie de me tromper, voilà, donc c'est bien ça. Vous allez laisser ici un bloc, et là vous recommencez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça, d'accord. Ici pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici encore le même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça. Là pareil, 1, 2, 3, 4, enfin là c'est plus comme ça, mais de toute façon c'est toujours à la même hauteur, hop, voilà, vous voyez, en fait c'est toujours à la même hauteur, hein, tout simplement, hop, comme ça, voilà, et voilà, d'accord. Donc là on a nos vitres, maintenant, enfin on a plutôt nos trous, on peut supprimer ce qu'on avait placé ici au sol qui nous sert à rien, donc voilà, hop. Alors une fois qu'on a ça, on a nos murs, enfin nos murs plus nos trous. Vous allez tout simplement pouvoir déjà prendre maintenant les escaliers en grélis, d'accord. On va venir ici en bas. On va pouvoir en placer déjà à l'envers ici, donc. Comme ça, ici, d'accord. Et également à celui-ci. D'accord, donc c'est le deuxième en partant de la droite et le deuxième en partant de la gauche, d'accord. On fait pareil pour le même, mais au-dessus. Donc ici, hop, on refait le même là et là. Voilà, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va au-dessus. Et ici, on peut faire un escalier à l'envers pour toute la rangée en dessous du mur, donc pour la fenêtre, hein, d'accord. Donc, on fait ça comme ça, tout simplement. Voilà. D'accord. On fait pareil en dessous. Donc, hop, on fait ça comme ça. Voilà, voilà. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement pouvoir maintenant prendre les escaliers en grélis, donc ce qu'on avait déjà. Maintenant, ce que l'on va pouvoir faire, c'est tout simplement casser ici à chaque fois. Donc ici, 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 ici. Donc à chaque fois où on n'a pas mis les escaliers, on peut creuser comme ça, d'accord. Là, tout simplement, on va mettre des escaliers, mais à l'endroit, comme ça, dans le trou, d'accord. Donc hop, hop, voilà, à chaque fois, on met nos escaliers comme ça, d'accord. Maintenant, vous pouvez voir qu'ici, on a de la terre. Là, on va falloir combler avec les grélis. On comble la terre pour pas que ça soit voyant et que ça soit quand même un peu plus classe, hein. Donc hop, à chaque fois on casse et on rebouche tout simplement pour que ça soit vraiment plus beau.
Voilà, hop. Alors, ici également et ici. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, hop, faire ça ici et combler, pareil. Hop, là, et alors ici également. Voilà, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, normalement, on a terminé pour la première face. Hein, oui, je pense que c'est bon. Maintenant, on va pouvoir rajouter les barrières en sapin. Donc, on en met une ici, ici. On en met également une là et là, comme ça, tout simplement. D'accord? Vous mettez ensuite par-dessus les feuilles tropicales. Donc, on en met... Moi, j'en mets souvent deux. Vous pouvez en mettre trois si vous voulez. Hein, ça, c'est vraiment votre opinion. Moi, je ne m'en occupe pas. C'est vraiment à vous de voir. Moi, j'aime bien quand j'en mets deux comme ça. Maintenant, vous reprenez les escaliers en grès lisse. Vous allez venir ici, au-dessus de cet arbre. Ici, tout d'abord, on va faire ici un. Donc à ce niveau-là, on met un escalier à l'endroit, puis au-dessus, hop, un escalier à l'endroit. Pour en fait avoir des trous comme ça, d'accord? Donc on fait ça là, et on fait ça par ici. Donc hop, une fois ici, et puis une seconde fois ici, d'accord? Tout simplement pour ajouter un peu plus de détails à la construction. Alors une fois qu'on a fait ça, les trous, en fait, on va les laisser comme ça. Je vous dirai après de mettre les vitres, hein, d'accord? Les vitres, on va pas les faire maintenant. On les fera après quand on aura fait tous les trous de la construction, d'accord? Alors voilà, maintenant, on va donc pouvoir passer au côté gauche ici, d'accord? Donc on passe ici. Donc là, tout simplement, on va encore faire les trous, hein. Donc les trous, on va pouvoir en faire un ici, d'accord? On va ici, on va faire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis on laisse une rangée et là, on refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord? On fait pareil pour ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pareil au-dessus. Hop. Et voilà, d'accord. Puis ici, on va laisser 1, 2, 3. Pareil pour ici. 1, 2 et 3. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. Donc là, on peut ensuite supprimer nos blocs qu'on avait posés. Hop. Et là, on va faire pareil à peu près que ce qu'on a fait là, d'accord. Donc on va faire le même que ce que j'ai là-bas, d'accord. On va mettre ici au sol, tout simplement, des escaliers en grès lisse, donc hop. Et ici, celui du milieu, on n'en met pas. On peut mettre des grès lisses pour enlever la terre, hein. Ici, hop, là, et là. Voilà. Ici, on peut mettre des escaliers en grès lisse à l'envers, comme ça. Et on peut mettre donc ici, ça comme ça, hop. Voilà, d'accord. Ensuite, pour ici, on fait pareil, on met des escaliers en grès lisse à l'envers, ici, comme ça. Et puis maintenant, on va pouvoir venir ici, on va faire les escaliers à l'envers pour ici et pareil pour ici. D'accord? Ça nous donne ça. Maintenant, on va prendre les barrières en sapin. On va en mettre une ici et une ici. Hop, et on met à chaque fois deux feuilles tropicales comme ça, d'accord? Maintenant, on va refaire les petits trous que j'avais fait là. Tout simplement, on prend les escaliers en grès lisse. On vient ici, on fait un, hop là, et deux là. Et là, pareil. Un ici et le deuxième ici, tout simplement, d'accord. Vous pouvez remarquer qu'on a ça, les amis. Alors là, je vous incite à refaire exactement le même de l'autre côté, tout simplement, hein. Je vais le faire hors caméra parce que c'est exactement le même. Vous avez juste à reproduire ce que j'ai fait là-bas sur ce côté-ci, d'accord. Et on va se retrouver tout de suite, les amis. Alors voilà, les amis, vous pouvez remarquer, j'ai terminé de mettre tout, de faire les trous en fait, tout simplement, dans le mur et mettre tous les éléments qu'on avait placés justement sur l'autre côté là-bas. Donc c'est vraiment exactement le même, hein. Maintenant, on va pouvoir passer sur notre droite et faire du coup le derrière, d'accord. Donc ici, l'arrière du bâtiment, c'est toujours à peu près la même chose, hein. C'est vraiment assez simple, hein. C'est vraiment pas compliqué. Alors là, je regarde un peu comment j'avais fait, mais je pense que ouais, c'est vraiment pas compliqué. Ok, donc on va venir ici, on va commencer à droite ici, on va laisser deux blocs ici. À partir de cela, on laisse deux blocs comme ça. On va faire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord. On fait ça comme ça. On laisse ici, hop, je vais prendre ça, 1, 2, 3, puis là on recommence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord, pareil ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça, d'accord, on va faire pareil de l'autre côté maintenant, on vient par ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, voilà. Pareil ici, donc on laisse 1, 2, 3. Donc à chaque fois, les amis, c'est vraiment toujours la même chose, hein, tout simplement. Hop, on fait ça comme ça. On laisse ici 1, 2, 3. Et là, on recommence. Pareil pour ici. Voilà.
Alors une fois qu'on a fait ça, on a fini les trous, d'accord? Donc on va tout simplement pouvoir casser les blocs qu'on avait mis au sol, qui nous servaient de repère. Maintenant tout simplement, vous prenez les escaliers en grès lisse, et là tout simplement vous allez commencer en venant ici, vous allez faire 1, 2, hop, hop, là on fait rien. Ici on recommence, hop, 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 comme ça. Pour celui-ci pareil, pour celui-ci rien, et pour celui-ci pareil, hop, comme ça, d'accord? Vous prenez le grès lisse, vous remettez comme à l'habitude, toujours dans les trous comme ça, d'accord? Pareil pour ici, hein. Là on peut faire ça, là on recommence comme ça, là aussi, hop, et hop, ici également, comme ça, voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on recommence avec les grès lisses, on va faire pareil, on va faire ici en fait, tout simplement, comme ça, donc on les met à l'envers comme ça, et aussi le même pour celui-ci, comme ça, et on fait pareil ici au-dessus et ici au-dessus. Voilà, maintenant on recommence en faisant les escaliers à l'envers en haut pour les fenêtres du haut, et on fera pareil pour les fenêtres du bas, donc hop, comme ça, et là pareil pour ici, à chaque fois on les met à l'envers, hop. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça les amis, nous avons bientôt terminé. Vous prenez maintenant tout simplement les barrières en sapin, on va pouvoir en placer une ici et une ici, et pareil ici, donc on en place une là et là comme ça, et vous mettez comme à l'habitude deux blocs, enfin deux feuilles à chaque fois comme ça, d'accord? Donc on a ça comme ça. Une fois que c'est fait, on peut prendre maintenant les escaliers en grès lisse, on va faire encore une fois les trous, d'accord? Donc on vient ici, hop, on en met un là et un là, pareil pour ici, un là et un là, comme ça, d'accord? Puis pareil ici, hop, hop, et ici également, hop, et hop, d'accord? Alors une fois qu'on a fait ça, maintenant on va faire la petite fontaine qui se trouvait au milieu, tout simplement, vous allez venir ici, vous allez faire 1, 2, comme ça, d'accord? Alors je regardais comment j'avais fait, mais normalement c'est bien comme ça, voilà. Puis ici on fait 1, puis comme ça, et comme ça, hop, hop, tout simplement. Voilà, d'accord? Vous avez notre petite fontaine qui est vraiment assez simple à réaliser. Maintenant, vous allez, hop, mettre des blocs dans le fond, et vous allez prendre le seau d'eau. Hop, vous allez mettre de l'eau dans le fond comme ça. Et là, vous allez pouvoir mettre un escalier en grès lisse à ce niveau-ci, donc juste ici, et mettre de l'eau dedans. Comme ça, ça nous fait notre petite fontaine, tout simplement, les amis. Alors maintenant qu'on a terminé de faire tous les trous qu'on avait à faire pour la maison, tout simplement maintenant vous allez mettre les vitres teintées en noir, vraiment dans tous les trous les amis. Vous mettez vraiment les vitres teintées dans tous les trous, donc les vitres teintées en noir vraiment dans tous les trous pour que ça soit vraiment comblé partout. Donc dans tout ce qu'on a fait, hein, tout ce qui est vraiment visible. Et on va se retrouver tout de suite une fois que ça sera fait, d'accord? A tout de suite les amis. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai terminé de combler chaque vitre, enfin chaque fenêtre par justement les vitres teintées en noir. J'ai vraiment fait ça partout comme vous pouvez le voir maintenant. Alors maintenant on va pouvoir passer en faisant ici, ici on va faire 1, 2, 3 comme ça, d'accord? Et là pareil, 1, 2, 3, parce qu'en fait ça va être ici l'entrée du balcon et là l'entrée de la maison, d'accord? Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant passer à justement cette petite construction ici qui ressort vers l'avant, donc ce genre de petit balcon en fait, tout simplement. On va pouvoir commencer, on va tout simplement prendre le bloc ici de hop, grès taillé, d'accord? Vous allez prendre le bloc de grès taillé et on va venir tout simplement ici. Donc à ce niveau-là, vous allez tout simplement faire ici 1, 2 et 3, d'accord? Comme ça. On va faire pareil par ici, 1, 2, 3. Puis on va faire hop, hop, 2 comme ça, d'accord? Puis ici, on va faire hop, hop, 1 comme ça. Puis ici, 2 comme ça, d'accord? Donc on a ça, on va faire pareil par ici, 2, 1 et 2 comme ça, d'accord? Et maintenant on va tout simplement pouvoir faire ici, hop hop, comme ça, et on a ici 5 blocs, pardon, comme ça. Alors je vais vous laisser une petite vidéo comme ça, si vous n'avez pas bien pris les mesures, au moins vous savez le faire, d'accord? Donc voilà, je vous laisse cette petite vue un instant, voilà, comme ça vous faites pause et c'est bon. Alors une fois que vous avez fait ça, tout simplement on va faire pareil, mais au-dessus, donc à ce niveau-là, tout simplement. On va faire ici 1, 2, 3,
Hop, 1, 2. 1, 1, 2. Hop, ici on a 5. Voilà, jusque là. Puis si on recommence. Hop, hop. Et voilà, sans les amis, c'est juste à reproduire en fait ce qu'on a fait ici, d'accord. Donc ce qu'on a fait là, vous le faites justement bah, juste au niveau du dernier bloc qu'on avait posé, hein, d'accord. C'est vraiment la même chose, d'accord. C'est exactement le même, les mêmes blocs, d'accord. Alors une fois qu'on a fait ça, on va prendre le gris coupé. Vous prenez le gris coupé, vous allez tout d'abord venir ici. Et là, voilà, je vais le faire à ce niveau-ci. Vous enlevez celui-ci et celui-ci. Et vous venez au sol et vous allez tout simplement pouvoir monter en fait, voilà, jusque là, d'accord. Tout simplement. On va faire pareil pour ici, hop, hop, et ici, hop, et hop, voilà. Et là, tout simplement, on monte. Également par ici. Voilà, d'accord. Et là, on va faire pareil donc pour le même côté là-bas. Hein, donc, on vient juste ici, hop. Et hop, et là on monte. Voilà, tout simplement. Alors voilà les amis, une fois qu'on a terminé de faire ça, vous venez tout simplement ici. Et là vous allez tout simplement tout combler avec le gris coupé, donc hop, ou le gris lisse. Ça c'est un peu à vous de voir comment vous voulez, c'est, de toute façon c'est à peu près la même chose, hein. Donc hop, on remplit tout. Voilà, voilà, hop. Comme ça et comme ça, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on prend les vitres teintées en noir. On va commencer ici, on va tout simplement faire le tour comme ça, d'accord. Donc hop, voilà, on fait ça comme ça, on fait tout le tour, hein. Voilà, ici, hop, on recommence et voilà, tout simplement, ça nous fait notre petit balcon, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, les amis, vous reprenez maintenant. Alors, je dois reprendre le bloc de gris coupé, on va faire pareil par ici. On comble en fait tout simplement tout l'espace. Donc hop, comme ça. Comme on a fait en dessous. Donc hop, voilà, voilà. C'est assez rapide à faire, donc je le fais avec vous. Pas besoin de couper la vidéo pour ça. Hop, c'est assez rapide. Et voilà. D'accord. Donc on obtient ça tout simplement. Et là, on va faire pareil, mais pour ici, donc hop, on fait 1, 2, 3, ici, alors on doit suivre en fait quand même le trajet du dessus, hein. Donc ici, 1, 2, ici, 1 comme ça, et ici, 1, et là, hop, 1, 2, 3, on doit terminer ici, donc là, on fait pareil, 1, 2, 1, comme ça, 1 ici, et 1, 2, 3, d'accord. Donc là, on comble, hein, encore une fois, la même chose. Voilà. Voilà, ici, hop. Alors, pardon, je me suis trompé ici, voilà, comme ça. Et là, tout simplement, voilà, on casse l'herbe et tout simplement, on va faire pareil, on va remplacer par le grès. Donc, hop. Voilà, voilà. Et là, on remplace du coup. Voilà, hop. Et une fois qu'on aura terminé de faire ça, il nous restera plus grand chose à faire, hein, les amis. Il nous restera le toit, je pense. Parce que l'intérieur, on va pas le faire ensemble, malheureusement, parce qu'il est vraiment trop grand. Donc, j'aurai pas le temps en vidéo de le faire. Donc, voilà, hop, on fait ça comme ça. Alors, donc, on a ça comme ça. Alors là, par exemple, vous pouvez faire un petit passage ici. Donc, vous faites ici, voilà, 3 comme ça. Et là, vous pouvez faire un petit passage, hein, qui arrive et qui donne sur la maison. Voilà, donc on peut faire ça comme ça. Hein. Voilà, et puis là, on peut reprendre par exemple les feuilles tropicales pour faire par exemple ici 1, 2, hop, comme ça. Voilà, des petits arbustes comme ça sur le côté, c'est toujours sympa également. Donc voilà, hop, on a fait ça. Alors là, moi j'avais mis de l'eau comme ça, là je sais pas si vous voulez ou pas, hein. Ça c'est vraiment pour la décoration. Je vais pas le faire ici, mais bon, c'est vraiment, soit, de toute façon, vous voyez un peu comment j'ai pu faire, c'est vraiment pas compliqué. Ça c'est vraiment à vous de voir si vous voulez le faire ou non. Alors, une fois qu'on a terminé ça, les amis, on a quasi terminé la construction. Maintenant, il nous faut prendre les escaliers en grès. On va venir ici, on va tout simplement commencer là, et on va faire tout le tour de la maison comme ça, d'accord. Donc, hop, comme ça, c'est vraiment pour ajouter du détail. Et on fait tout le tour de la maison, donc tout le tour de la villa, avec ces escaliers en grès, d'accord.
Donc hop, on fait vraiment partout, hein. Voilà, pareil, par ici. Et voilà. Alors après, ça c'est vraiment à vous de voir si vous voulez le faire ou non. Vous pouvez également peut-être, si vous voulez, faire ça comme ça par ici. Je n'avais pas pensé au début, mais on va essayer pour voir ce que ça donne. Après, c'est vraiment pas une obligation. Ça, c'est vraiment plus un test ici, ce que je suis en train de faire. Hop, voilà. On fait vraiment tout le tour. On va voir ce que ça donne, hein. Voilà, alors est-ce que ça peut être sympa? Ça, je sais pas, ouais, je trouve que c'est quand même assez sympa également. Je trouve que même c'est encore plus sympa que ce qu'on a fait là, d'accord? Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Ça, si vous voulez ou non, moi je l'ai fait en tout cas et je trouve ça vraiment super sympa. Alors une fois qu'on a fait ça, maintenant on va pouvoir commencer à faire le toit, les amis. Le toit, on va tout simplement prendre les escaliers en diorite poli ainsi que les dalles en diorite poli, d'accord? Même si elles sont impolies. Je rétaque mes blagues de merde, c'était vraiment pour faire une blague de merde. Bon, voilà. Donc, alors on va prendre ça ici, on va prendre les escaliers en diorite poli. On va commencer tout d'abord en faisant une rangée comme ça tout autour, d'accord? Donc on commence là dans le coin où j'ai commencé et on fait comme ça une rangée qui fera tout le tour en fait de la villa, d'accord? Donc le toit, je vais le faire avec vous parce qu'au moins vous serez sûr de bien le faire parce que si je coupe les parties. Ça va peut-être être galère pour vous. Là, je vais faire vraiment tout avec vous, comme ça au moins c'est plus facile pour vous. Donc, on fait ça comme ça. Puis, on prend les dalles en diorite poli et on va tout simplement faire le même. Mais, donc voilà, juste on fait encore une fois le contour tout simplement. Donc, on fait ça comme ça. Hop. Voilà. Tout simplement, hop, on fait ça. On fait tout le contour. Voilà, ici, comme ça, tout simplement. Là, on reprend l'escalier en... alors, je vais quand même regarder si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, l'escalier en diorite poli. Vous venez ici, vous allez faire, hop, comme ça, d'accord? Donc, au même niveau que la dalle, d'accord? Ça, c'est vraiment au même niveau, d'accord? Donc, vous faites ça comme ça. Hop, voilà, là, on fait le contour, tout simplement. Et encore une fois, on va faire tout le tour du toit, du coup, hop. Ça nous donne ça. Voilà. Jusqu'ici, du coup. Et voilà, maintenant on reprend une dalle en diorite poli. On vient ici, on fait ça comme ça. Donc là, hop, c'est un bloc au-dessus, hein. Donc voilà. Hop, comme ça. Ici, pareil. C'est à chaque fois le même, hein. Franchement, c'est toujours monté. Toujours en mettant d'abord un escalier et puis la diorite. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Hop, voilà. Et voilà, là on remet maintenant les escaliers donc à la même hauteur, encore une fois. Hop, voilà. Alors, peut-être que ça se mette dans le bon sens. Voilà. Ouais, chaque fois ça se met dans le mauvais sens, je comprends pas. Hop, voilà, donc là pareil, on revient comme ça et on finira le toit par de la diorite poli, donc une dalle. Hein. Donc hop, on prend la dalle, hop, et on fait ça comme ça. Et là en fait, vous allez tout simplement combler, hop, tout la toiture comme ça en fait. Hein. Donc hop, voilà, vous voyez, on comble vraiment tout le truc comme ça, tout le toit comme ça, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Alors si vous avez bien fait les choses, normalement vous allez devoir vous retrouver ici sur la largeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, d'accord? Comme ça vous avez les mesures, il faudra 6 blocs sur la largeur, tout simplement. Alors hop, voilà. Voilà, hop, j'enlève après les mauvais blocs que j'ai placés, donc voilà, hop, comme ça, et là tout simplement j'ai enlevé ça et c'est bon. Voilà, alors là les amis, normalement on a terminé la construction du bâtiment, donc de la villa, hein. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous pouvez remarquer que c'est quand même assez stylé, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même vraiment stylé, hein. Donc après, pourquoi pas aussi faire des piscines, je sais pas, par exemple faire une piscine ou un étang par ici, pareil par ici, ça c'est vraiment à vous de voir. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire les différents étages, d'accord?
Je vais pas le faire avec vous, mais je vais vous montrer où on peut les faire. Donc déjà le premier étage, bah, tout simplement, enfin le premier niveau, bah là vous avez juste à creuser dans le sol, hein, tout simplement, ici. Et ensuite pour l'étage ici, vous allez tout simplement mettre un niveau en fait où on a l'entrée du balcon, d'accord. Donc ici on a l'entrée, et bah tout simplement vous allez faire ça comme ça. Et donc là ça sera votre sol pour l'étage de la villa, d'accord. Donc hop, je vais le faire avec vous, comme ça, voilà. Donc je vais faire ça tout autour, hein. Voilà, hop, hop, je fais ça. Voilà, d'accord, donc là, ça sera le premier étage. Et ensuite, ici, vous pouvez tout simplement refaire un toit ici à ce niveau-ci, comme ça, pour délimiter et pas voir le toit. Bah, quand on est au premier étage, comme ça, on voit pas la différence, enfin, la toiture. Là, tout simplement, vous allez pouvoir refaire encore tout un toit, ici, un sol à ce niveau-ci. D'accord, donc hop, voilà. Hop, comme ça. Et voilà, d'accord. Donc vous comblez en fait, hein, tout simplement ici, d'accord, pour avoir votre deuxième toit, d'accord. Donc vous allez faire un toit ici et un toit ici, d'accord, tout simplement. Et là, ça va être vraiment super, les amis, hein. Je pense que c'est vraiment une très belle villa. Je sais pas ce que vous en pensez, malgré que je n'ai pas fait l'intérieur. Je suis un peu désolé, mais bon, c'est parce que c'est vraiment grand. Après, par exemple, ici, vous pouvez aussi reprendre les vitres teintées en noir et faire ça comme ça ici. Je sais pas si ça vous intéresse, mais pourquoi pas. Donc hop, hop, comme ça. Pareil pour ici, hein. Hop, voilà. Ça, c'est vraiment à vous de voir si ça vous intéresse ou pas de faire ça. Moi, je vais laisser la villa comme ça, les amis. Je pense que j'ai vraiment terminé. Je vais faire un petit tour quand même du bâtiment. Mais je pense qu'on a vraiment terminé cette superbe villa. Alors ouais, là, c'est terminé, ok. Et du coup, devant, c'est terminé également. Franchement, super villa, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis vraiment content d'avoir fait ça avec vous. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos et de prochaines vidéos. Les amis, c'était Cardex. Salut à tous.